l'ange numéro 21, Nelkael. Il régit du 2 au 6 juillet. Il est l'ange d'apprentissage. Il nous aide à développer notre amour de la connaissance, d'étudier et de comprendre notre vie et celle des autres. Il nous permet d'intégrer qu'on est toujours enseignant et enseigné à la fois. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Facilite l'apprentissage. Aime les études. Réussit les examens. Omniscience. Faculté d'aller du concret à l'abstrait, de la réalité à l'idée. Don pour les sciences, la technologie et la poésie. Compréhension de la géométrie, de l'astronomie, de l'astrologie et des mathématiques. Inspire les savants et les philosophes. Conscience de l'organisation cosmique. Bonne concentration, faculté de comprendre les bienfaits de la récitation de mantras pour accéder à la connaissance, recevoir des réponses et entrer en contact avec les mondes parallèles. Anticipation. Protège contre les calomnies, les pièges et les sortilèges. Exorcisme par la connaissance. Enseignant, pédagogue par excellence. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Difficulté d'apprentissage. Problème avec les examens, tendance à stresser. Veut plaire aux autres. Recherche le succès à tout prix. Étude motivée par l'ambition. Attitude hautaine. Complexe de supériorité et d'infériorité. Ignorance apprend sans comprendre. Recherche et utilise la connaissance à des fins personnelles.
rejette l'apprentissage, mentalité faible, se perd dans l'abstrait. Préjugés, comportements vindicatifs. Construction mentale erronée. Incapable d'appliquer la connaissance. Envoûtement par manque de connaissance. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Calomnie. Concentration, capacité de se concentrer. Éducation. Enseignant, enseigner. Examen, étude. Ignorance. Instruction. Langue, apprentissage des langues. Omniscience. Douce pensée angélique.